ميده عامره بالورد وبالقراعي وبهذا وصورها. Chaque année, le dernier soir de Pâques, une table exceptionnelle est dressée avec toutes sortes de symboles. Du blé pour l'abondance, des fèves pour la fertilité, des œufs pour la fécondité et des douceurs pour la joie. Cette antique coutume juive vient du Maroc. Elle rappelle les vieux mythes païens de la nature et accueille en réalité l'éternel retour du printemps. Voilà la menthe. Regarde, avec le petit lien en feuille de palmier là, qui prouve que ça vient du Maroc. La famille et tous les amis viennent goûter la traditionnelle date avec du miel et recevoir les bénédictions. Elles sont bien chaudes. Parfait. On a Zadou ou la Mazel? Habituellement, à cette occasion, les Juifs et les musulmans se donnent les preuves de leur vigoureuse amitié. Il y a du sucre en poudre là-bas, il y a du petit lait, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la cannelle. Cette tradition, je l'ai apprise depuis mon enfance. Avec mon mari Yosef, dit Yael Gersh, nous avons essayé de les maintenir vivantes à travers les migrations qui ont régulièrement marqué notre vie et celle de nos enfants.